La tradition médiévale, qui est un moment important dans la pensée musulmane, a traduit le Coran dans le langage de l'époque. Même au niveau de la dogmatique, lorsqu'on parle d'être, de sifat, de l'esma, c'est emprunté des problèmes philosophiques grecs. Le mukhalafatu lil hawadith, la dissimilitude par rapport aux accidents. C'était une terminologie ash'arite empruntée au vocabulaire grec. Mais le sens ne change pas. Peut-être le vocabulaire change. Et là, nos significations, nous devons salat, on dit la prière. Bon. Déjà, salat en arabe, il a plusieurs significations. Wa ma kana salatu salat du'a, etc., etc. En vérité, il ne faut pas se fixer sur les mots. Moi, j'adopte ce que j'appelle la théologie proximale, sémantique et proximale. Il faut partager le même vocabulaire avec des significations différentes. Mais si vous venez avec un vocabulaire différent, vous ne pouvez pas entrer en dialogue avec la culture en question. Empruntez le même canot, les mêmes canaux communicationnels avec des significations et des définitions particulières. Donc on réduit les distances, une proximité culturelle avec une distance significative au niveau des concepts. Déjà, dire Dieu, Dieu c'est Jésus dans la tradition occidentale. Dieu c'est Jésus. Oui. Quand un chrétien dit Dieu, il pense à Jésus qui est l'incarnation. Le Seigneur, le Sauveur. Hein, pas Dieu lui-même qui vient de Zeus, les chrétiens eux-mêmes, ils ont traduit, etc. Donc il y a une circulation des vocables, mais avec des significations différentes. Allah, ça existait déjà chez les polythéistes. Il n'a pas dit non, non, on va changer de nom de créateur, on va inventer, etc. Non, l'islam, il procède par continuité, proximité sémantique. Avec une distanciation au niveau des sens. Le pèlerinage, à la Mecque, les polythéistes faisaient le même pèlerinage. On l'a débarrassé du polythéisme, on a conservé la forme. Donc, le génie de l'islam, c'est qu'il est presque syncrétique, œcuménique, ça veut dire qu'il ratisse large. Il ratisse large. Avec les polythéistes, avec les juifs, avec les chrétiens, ils cherchent toujours des points d'intersection pour pouvoir ramener les gens à des significations. Mais se cloîtrer dans un vocabulaire qui va vous isoler au niveau de la communication, au niveau des significations. Et ça, on va théoriser notre extinction théologique. Quand on dit la messe, peu importe la messe, pour moi la messe du vendredi, on sait la définition de la messe du vendredi, peu importe. Mais le français dit la messe, ah, ils sont comme nous. Déjà, pas mal, on n'est pas des martiens, on fait la messe. Sauf que vous avez le dimanche, nous vous avez le vendredi, on n'a pas la même chose. Mais ça, ce que j'appelle la théologie de l'acculturation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une logique identitariste. Et la logique de l'identité, c'est de créer des frontières. L'islam n'obéit pas à cette logique-là. Depuis les années 80, on n'a fait que cloîtrer l'islam dans une logique identitaire. Et moi, je combats ça depuis très longtemps. On m'a insulté, il noie le poisson, il va diluer l'islam, il va le faire disparaître. Mais c'est vous qui êtes en train de le faire disparaître en l'asphyxiant dans une carapace identitariste périmée et complètement à la marge du monde. Non, en tant que théoricien responsable, je ne peux pas me permettre de créer des ruptures par rapport à mon monde pour rester fidèle à Dieu, parce que Dieu cherche la relation. Je ne cherche pas la rupture. Toute pensée qui va dans le sens de la rupture, elle est étrangère au projet de Dieu. Et moi, je ne m'inscris pas dans cette logique d'enfermer mon Dieu dans une revanche, dans une vengeance, dans une crise sociétale, psychologique, ça, on le règle autrement. Mais je n'embarque pas ma religion dans ce conflit politique, identitaire, etc. Le religieux, il doit être fidèle au vouloir de Dieu.
Rabbul Alamin, Dieu du monde.